to get demons up out of me. Turn to a beast, eat your arteries. Deceasing opponents. Salut tout le monde, c'est Azrox. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour vous représenter le thème de la saison 6 qui va bientôt sortir sur Fortnite. Donc comme vous avez pu le remarquer, il y a un gros cube violet qui se déplace sur la map, qui laisse des signes, et normalement il va finir sa course dans Loot Lake. Donc normalement on sera sûr à peu près qu'il y aura un changement dans Loot Lake. De toute façon, ça avait déjà été dit dans beaucoup de codes sources et par beaucoup de personnes, et la communauté voulait qu'il y ait un changement dans Loot Lake. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va encore arriver dans Loot Lake. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que à la semaine 10, vous débloquez un fond, et en gros ce fond, vous pouvez voir le skin Terror Flow qui touche le cube violet, et on peut voir le reflet de ce skin en mode un peu méchant. Donc en gros, le skin, c'est un peu les bisounours et tout, et là le reflet, c'est tout l'inverse, il est en mode méchant. Et comme vous pouvez voir, la licorne, elle s'est transformée en dragon, donc il y a un zoom dessus. Donc ça pourrait faire référence à toute l'époque des chevaliers, les dragons, les volcans et toutes ces théories là qui tournent autour de ça. Donc on n'en sait rien, c'est juste un reflet au niveau de l'image, mais ça peut nous donner un indice parce que c'est vraiment la dernière image de la semaine 10, et ça va nous montrer, ça doit nous prévenir de quelque chose, je pense. Donc après, il y a aussi plusieurs choses au niveau de Loot Lake. Là, je vais vous montrer. Alors, si on met en image Loot Lake, on peut remarquer qu'il y a une espèce de forme bizarre en mode volcan qui se trouve en dessous de Loot Lake. Donc il y a des chances que ce sera un volcan. Après, c'est qu'il reste que des théories, mais il y a plusieurs trucs qui indiqueraient que ça pourrait être un volcan. Parce que là, il y a des espèces de formes bizarres. On pouvait déjà apercevoir des formes même à l'œil nu, mais là, en mettant comme ça, on voit vraiment qu'il y a des formes et tout. Il y a sous Loot Lake, et qu'il y a quelque chose qui va apparaître sous Loot Lake. Après, ce qui renforce la théorie un peu des dragons et tout, c'est qu'ils ont trouvé une nouvelle émote, donc un spray de dragon. Donc le titre est dragon, mais on peut pas voir l'image qu'il y a. On sait juste que le titre, ça va être Dragonfly. Donc ça va être un nouveau spray, donc déjà avec les dragons. Donc je pense vraiment qu'il va vraiment avoir ce thème là avec les chevaliers. Après, à voir, mais déjà il y aura ça, il y aura le spray de dragon, donc ça, ce sera sûr, ça c'est d'info sûr. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Après, ça reste sur des concepts, donc des concepts de personnes. Donc là, il y a un concept avec qu'il y a un volcan à Loot Lake, et que ça fait des fissures sur toute la map, donc je trouve ça assez stylé. Après, là, ils l'ont fait un peu dans l'abus, je trouve, ça va détruire un peu la moitié de la map. Mais en gros, là où il y a les ruisseaux, il y aurait des fissures du volcan. Il y aurait une zone neige, il y aurait plusieurs trucs comme ça. Bon, après, les zones neige et tout, je pense pas qu'il y aura, ou je pense que ça arrivera pas dans la saison 6 ou dans une autre saison plus tard, qui feront un désert et une zone de neige et tout. Là, après, je trouve c'est un peu dans l'abus s'ils font ça, s'ils font vraiment, après ça reste un concept, mais s'ils commencent à faire des grosses fissures comme ça et tout, je pense que ça partira un peu trop dans l'abus. Donc après, le dernier concept que j'ai, c'est le concept des châteaux. Donc en gros, ce serait vers Pleasant Park, il y aurait Crazy Castle. Donc je trouve ça, c'est un beau concept à réaliser, surtout vers cette zone là je trouve que c'est l'endroit parfait pour faire ça. Après, en plus, il manque un peu de trucs là, mais après c'est vraiment collé vraiment à Pleasant Park, donc je sais pas trop, mais ça reste un petit bonus sur la map à mettre, un petit château fort. Bon, après, ça pourrait être une nouvelle ville, pareil, ça reste un concept, ça n'a pas été officialisé par Fortnite. Il n'y a rien qui a été officialisé par Fortnite, à part l'image de fond et la fameuse émote qu'on a trouvé dans les codes sources du jeu. C'est les deux trucs qui sont vraiment dans le jeu. Après, tout le reste des concepts ou des visions qu'on a de Loot Lake. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez que ça va être la saison 6. Et puis, bye tout le monde.